Lava Croft, Tomb Raider, c'est ça. J'habite à Bordeaux. Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Et édité par... De secondes pour être vidéo et je ne pas parler. Par exemple, je vois déjà le temps de latence, je pense qu'on va faire ça. Voilà. Voilà, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est pas mal. Azumbi. Ah, j'ai marocain. Comme dans ce moment. Mais moi je suis jamais perso pour faire ça, j'ai Alec Jonas. Aide-moi! Il faut que je me libère! Sans maillot. Quelle blague. Oh putain. Excusez-moi les gars.
Ah!
liberté. C'est très magnifique. J'aime bien cette scène. Ça montre. Voilà. Ça montre la supériorité. Sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Ok. Doucement. Des petits trucs sont dans le petit gosse que des petits matchs. Ok. Je peux y arriver. Sam! Ils ont dû passer par là. Bon, la prochaine vidéo, je pense qu'on va prendre un peu des polémiques. Sam? Ross? Est-ce que quelqu'un m'entend? Faut que je les retrouve. À ce qui paraît anti-gène. Ouais, moi, okay. Je pense que je vais pas vous dire. Ouais, je pense que... Adaptation de France et voilà. On parlera de ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Bot, l'architecte. Bronzage, elle est vraiment très très belle. Je vous pose une question. Thank you.
Ah oui, je vais vous dire mon âge, j'ai 15 ans et demi, donc 16 ans. Le truc que j'ai eu de dire, c'est ça. Alors, je suis jeune. Lara a vraiment très très froid, ce que je vois. Vous serez vous, vous rencontrer si on. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine. Vous racontez Darly, moi je m'en bats les couilles, moi Darly. Moi je vais dans le jardin, chez tout. Tu toi avant voilà quoi. Lara. Ah dans la jungle. Ah j'ai kiffé ça. Faut se m'arrêter à 25 minutes. Je peux pas rester là, rien faire. Bah, je vous demande pas que quand il faut que je trouve quelque chose à manger. J'ai 3h40. Je vais d'avoir mon âge de PVR et une petite vidéo pour vous montrer. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Hey, cet arc me sera utile. Et dites-moi si vous avez des trucs sur votre disposition. Vous m'avez des messages sur YouTube. Ouais, je sais pas, je me crains un petit pas chez vous. Y'a pas de soucis à ça. Je peux y arriver. Enfin, je compte pas vraiment montrer ma tête dès maintenant. Parce que. Enfin, je vais pas vous mentir, je suis beau. Non, c'est pas vraiment ça le problème, c'est que. Enfin, j'attends un peu. Putain, comment on fait déjà? Je vais pas montrer alors que c'est un abondé. Ça ne sert strictement à rien, on va pas se mentir. Voilà. Ça tombera un peu. On va voir si ce truc marche encore. Arc improvisé. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Attends. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. Ah, ouais, c'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Ah ouais, je suis vraiment un idiot bête. Comme dirait ma grand-mère. Ça, qu'un seul, un imbécile. Un moine qui a rien. Il pourrait trouver. Où pourrais-je trouver un seul? Désolé. Pas avoir les amis mourir, même si c'est un jeu, bien sûr. Quelle bonne vie. Bon. Retour au camp. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles et tu sauras et toujours retrouver ton chemin. Je compte pas parce que je connais pas, il y a des youtubeurs qui font des let's play, ils font une partie, après ils arrêtent. Moi je compte vraiment finir ce let's play. Même si vous appréciez pas, bah, c'est pas grave, enfin, c'est pour moi que je le fais. Ouais, si vous appréciez pas, normal, je le fais pas, mais...
Que faire? Ça ne sert à rien. Ah, strictement rien. Merde. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross! Tara! Tu es en vie! Calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Allez, on y va. Chaud pas d'être. De la musique? Elle a un bon pause, celle-là. Regardez bien. Ça, quand un petit legging, ça y est, très très bien. Je pars de nos boutins. Aïe. Allez, vous faut le prendre. Eh oh! Y'a quelqu'un? Oh là, j'ai peur. Je vais passer par là. Qu'est-ce que c'est que ces symboles? On va faire des scènes de fight pour l'instant. Magique. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Avec les 4 sauts, ça va mieux. Oh non, c'est de la folie. On va les pousser dans le trottoir. Oh les gars, on va en prendre pour un mec bizarre. Très bizarre. Sam? Je suis le sentier. C'est un peu abrupt. Ah là, il y aura normalement. Tu as entendu? La cinématique. Oui. On a fait du feu. Cherche la fumée. On est en route. Lara, tu es vivante. Sam, Dieu merci. Surprise. C'est bon, il est avec nous. Désolé de vous... Ah.
Attention. Ça fait plaisir de te revoir, ma belle. Ça fait du bien de vous voir. Sam est avec vous ? Elle était avec toi. Elle était là, avec cet homme, Mathias. Et je me suis endormie. À mon réveil, ils avaient disparu. Vous n'auriez jamais dû partir comme ça. Il faut qu'on les retrouve. Hé, Ross. Ok, on se sépare. L'un de nous part rejoindre Ross avec Lara. Les autres se dispersent pour chercher Sam. Je suis marocain. Je vais avec elle. Non, je vais y aller. Vous savez vous servir de ça ? Ça fait longtemps. Mais ça va me revenir. Trouvez Ross. On se charge de Sam et de ce Mathias. Est-ce que ça va aller ? Oui, j'ai... Allez, passe. Juste besoin de... Passe. C'est pas si mal. Oh, j'ai vraiment peur, les gars. Les gens, j'ai peur. Venez m'aider, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas. Faut tout le monde m'envoyer. Non. Je suis vraiment un gros traître. Vous auriez quand même pu me prévenir sur les loups, docteur. Une vraie merde. La voie est libre. Parfait. C'est pas joué. Ah, je suis désolé. Prends son calot, je vous casse les jambes. Je vous casse les jambes. Je suis un mec vraiment déter. Ah, je vous Ils sont fascinants. Vous êtes vraiment un militant d'avance. Je les ai déjà vus. Il doit s'agir d'un rituel. Cette figure féminine est particulièrement intéressante. On dirait que ça a été fait récemment. Oui, par les gens de l'île, sans doute. En jugé par ses épaves, ils ont fait naufrage. Tout comme nous. Remarquable. Ouais, reste à espérer que nous ne finirons pas comme eux. Essayez. On va aller chercher les reliques. Il faut
comme ça normalement. Ça va marcher. Encore un petit effort. Ça. Oh là là. Là je le rate. C'est fait. Je meurs comme ça. Je suis dégoûté de la vie. Ouais, je crois que je vais passer de côté parce que... Dans tous les cas, il y aura des chiens. Il y aura des chiens de la casse. Très bien. Tabarnak. Ça va marcher. J'ai un peu peur. Mais vraiment un tout petit peu. Pas énormément. Juste un tout petit peu. Voilà. Ça devrait suffire. Voilà. Ah, j'ai bien. De quoi améliorer mon piolet. Juste à courir. Espèce de pigeon. Espèce de pigeon. Pigeon. Il se passe quelque chose de très intéressant. Intéressant n'est pas le mot que j'aurais choisi. Donc voilà, j'ai fait mon piolet, je n'ai plus vraiment le temps. Donc voilà. Donc maintenant, ouvrir ce coffre, j'ai les moyens. Quand tu as les moyens, tu peux couper. Donc voilà, plus 52 matériaux. Ok Lara, prête pour faire l'essai. Ok, je suis prête docteur. Je m'appelle Lara. Comment vous voulez. Non, je dis les axes. Bon allez, on va ouvrir. Et là, je pense qu'on va finir sur l'ouverture de porte. Wow, my fucking god. Cette figure féminine sur le portail, étant donné l'âge des symboles, il pourrait s'agir de la reine sa mère. Himiko ? J'ai l'impression d'entendre Sam, Dr. Whitman. Il ne fait aucun doute que Himiko avait des pouvoirs. Certains parlent de pouvoirs chamaniques. Il suffit qu'une femme ait du pouvoir pour qu'elle finisse par passer pour une sorcière. Nous ne devons écarter aucune hypothèse, même si cela nous semble irrationnel. Nous avons encore tant de choses à apprendre. Je croirais entendre mon père. Ah, cette histoire s'annonce passionnante, Lara. Si on arrive à y survivre. Non, je vais pas vous mentir. J'ai fait let's play de Lara Croft pour voir ses formes. Incroyable. C'est bien, Himiko. Regardez. Le bol, les cierges. J'ai pas envie de vous laisser. Pourquoi est-elle encore vénérée? Cette île devait appartenir au royaume du Yamatai. Vous aviez raison, Lara. Le royaume perdu. C'est comme trouver l'Atlantide. Sauf que c'est réel, docteur Whitman. Et qui êtes-vous, enfin? Qu'est-ce que vous... Lara! Allons nous rassurer, machi! Sur ça... Leur faites pas de mal, je vous en prie! Yas, сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lâchez-la! Lâchez-la! Lara, cours! Non! Non! Окружите! Окружите! Только попробуй, рыбница! Почти! Je te vois entre mes mains, je te fracasse.
Bon voilà, bon, on va finir sur la stupéfiante de Lara Croft. Et amène la prisonnière. Voilà. Fais pas de bruit. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Bonne soirée. Au revoir.